territoire, hein, par exemple Bruxelles, qui est en fait dans ces traditions des gens, hein, de la nature, le paysage, le portrait. Le portrait. Ce que nous montrons, c'est véritablement ses œuvres et la façon dont il a vraiment lutté jusqu'au bout pour peindre des choses exceptionnelles. Il termine par ce tableau représentant des racines, ce qui est peut-être très, très symbolique, hein, cet ancrage, ce retour à la terre. En tout cas, ces tableaux ne montrent pas une démission à un moment donné où il se sentirait en panne d'inspiration, où il abandonnerait les choses. Au contraire, il essaie de se renouveler quotidiennement. La folie, ce sont des périodes où il ne peut plus peindre, où il est vraiment trop stressé, et il le sait. Il sait qu'il a des moments où il combat avec, dans le domaine de la peinture, où il crée ses compositions incroyables, avec ce stress de savoir que peut-être dans une semaine, il ne pourra plus peindre. C'est en cela que la folie est effectivement présente, il le sait, il la décrit dans ses lettres, il demande lui-même à être interné à Saint-Rémy de Provence. Mais ce qu'il peint là, c'est très conscient face à des paysages, une nouvelle lumière à Auvers-sur-Oise, de nouveaux motifs. Il veut rendre cela avec son vocabulaire et toute sa force de création. There was an urgency those last 2 months to say what he had to say, what he felt he had to say, he had to produce, say, through his painting, of course. And there's a burst of life in particularly those paintings because of this size. It's only, he says, only half a meter by this long 1 meter, which is quite large for him. And it's a sense of compression, like a juice, a fruit you would squeeze to get the juice out of it. The success was coming from everywhere, and the art dealers, critics, friends, Claude Monet, who says, seeing the Salon des Indépendants, what a beautiful painter, it's the most important thing I've seen in the Salon, so too much pressure for him, so he cut the film at this moment. He said, well, this is the farthest I could go in the painting.